Et salut! I know, I'm pretty cozy here by the fireplace. However, we're gonna head to the snow and look at different activities that you can do in the mountains in France, in the different types of mountains and chains of mountains that exist in France. Bonjour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, même si je suis bien douillée là, près de la cheminée, eh bien, on va aller dehors, on va aller à la montagne, à la neige, on va explorer toutes les activités qu'on peut faire, justement, que ce soit dans des montagnes, dans des chaînes de montagnes en France. Est-ce que vous, vous allez vouloir y découvrir? Hi, my name is Rochelle DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belle Terre Academy. Hey guys, yesterday we arrived in the Alps. More precisely, we're in a village called Notre-Dame de Bellecombe. What we're going to do, you will see, but there are so many different activities to do. We're gonna go snowboarding because our family snowboards, and actually my husband used to be a ski monitor, so I better keep up. However, what monitor means, if you haven't heard that word before, monitor is just a ski instructor, but they call it a monitor. There are many beautiful things to do here, and as my husband was noticing, the prices of rentals are actually cheaper than what you may be used to in the States, and very good quality. We got a program as well that was given to us when we went to rent our material, and the program details what the village does, because the village is such a community based that there are many activities that they do. Kind of cool because you can ask, you can go to the Office of Tourism, which I have a video on YouTube that details more about that, and ask for information of what is typically done in a village when you're exploring. You should also ask information from the locals, of course. Why not at the ski rental place? Bonjour tout le monde, nous sommes arrivés hier dans les Alpes, plus précisément dans un village qui s'appelle Notre-Dame de Bellecombe, où nous allons faire toutes sortes d'activités. Je détaillerai, vous pourrez en voir également pour vous-même. Nous nous sommes rendus premièrement pour aller faire tout ce qui est location de matériel, donc location de snowboard. Mon mari, qui était ancien moniteur de snowboard, dit que le prix est très raisonnable et que la qualité semble être très bonne avec de bonnes marques. Donc tout à voir en testant. On a également pu avoir un programme des animations de ce qui se passe dans ce village pendant que nous serons ici. Puis vous joindrez à nous pour voir un peu ce qu'on va faire comme découverte. Ok, allez, on y va ? Types of activities can you do? Obviously, it's going to depend on the season. Donc, quelle sorte d'activités pouvez-vous faire? Forcément, ça va dépendre de la saison. All kinds of different snow sports, such as snowboarding, skiing, monoskiing, etc. in the winter. Donc, toutes sortes de sports de neige, de sports de glisse, tels que le snowboard, le ski, le monoski, etc. en hiver. And then, there's hiking, biking, different activities you can also do in the summer. Puis d'autres activités qu'on peut faire en été, telles que de faire du vélo, de la randonnée, etc. What I've noticed having snowboarded both in France for many years, I actually grew up going to the Alps to snowboard, or skiing, and then to the Alps to snowboard my entire childhood and teenagehood and some of my adult years. But I can tell you that often I can compare it to other places that I've snowboarded, and the lift tickets are still pretty inexpensive. Get my heart beating fast. Mon cœur est bas, voilà. On va tout droit ou à droite? On peut faire. Attends, celle-là, je crois qu'après on bascule sur fumée. Ouais. Pour moi, personnellement, j'allais dans les Alpes faire du ski, du snowboard, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent et même en tant qu'adulte. Et même dans les autres endroits que j'ai pu faire du snow et du ski, je trouve que les tarifs sont assez abordables pour les forfaits. Things that you want to do if you're planning a vacation in some snowy mountains in France. Donc quelques astuces, quelque chose à faire si vous voulez planifier un week-end à la neige, à la montagne en France. First thing is obviously you want to look up where you're going to stay, whether it's an Airbnb, different things like Le Bon Coin, etc. You want to look that up first, right? En premier, il faut trouver un logement, que ce soit sur Airbnb, que ce soit sur Le Bon Coin, etc. Hopefully you have a vehicle to get there. Vous avez, j'espère, un véhicule pour pouvoir y aller. And then once you actually have all the details, you kind of know the pricing, you kind of know the area, you look up maybe on TripAdvisor where, you know, what other people say about it. Well,
There's one very important thing that's going to help you out. Donc, une fois que vous avez le logement, vous savez où vous voulez aller, vous savez à peu près ce que vous voulez faire, vous avez peut-être regardé sur TripAdvisor pour voir un petit peu les revues d'autres personnes, il y a une chose très importante à faire, and that is, once you head there, go to the Office of Tourism. I have two videos that explain that, and one actually mentions it, why we're snowboarding in the Alps. But head to the Office of Tourism, that's the first thing you want to do. Première chose que vous voulez faire, c'est d'aller dans l'office du tourisme, aller voir directement quand vous y êtes. J'ai deux vidéos qui l'expliquent bien, une qui vraiment détaille sur l'office du tourisme et une carrément à la neige. So that's the thing that you're going to want to do and get information on what's going on outside of just your snowboard adventures, for instance, or skiing adventures. Et puis après, vous allez essayer de vous renseigner quelles activités, quelles sont les choses que vous pouvez faire en dehors de vos aventures à la neige, que ce soit le snowboard, le ski, etc. Because you will live such an amazing French culture by going to some of the festivals they may have, by going to some good community events, by being able to taste like the warm wine, the hot wine or cider that they may offer you. So go to the Office of Tourism to get this information. Donc, en fait, en allant à l'Office du Tourisme, eh bien, vous allez découvrir toutes sortes d'informations. Vous allez pouvoir déjà savoir quels autres festivals, des événements pour la communauté qu'il existe. Peut-être pouvoir goûter du vin chaud ou du cidre chaud. When we went, we actually also got to visit this local goat farm and buy local cheese. So that's another video you can check out on YouTube if you're interested, but it was an amazing experience. Pour nous, quand on était allés, il n'y a pas très longtemps, il y a un an de ça, eh bien, vous pouvez regarder la vidéo sur YouTube, on a visité une chèvrerie, on a pu vraiment voir les chèvres, acheter du fromage carrément de la ferme, c'était une expérience incroyable. So I highly recommend you being able to explore the different places that have mountains in France and the various activities that you can do there. Donc, je vous recommande vivement d'essayer d'explorer un petit peu les montagnes, les chaînes de montagnes qu'il y a en France et les activités que vous pouvez faire là-bas. Est-ce que les enfants ont compris? Qu'est-ce que c'est ça? Do you know the different mountains and chain of mountains that exist in France? Est-ce que vous connaissez les différentes montagnes et chaînes de montagnes qui existent en France? So of course you might be thinking about the French Alps, bien sûr, les Alpes françaises, or also the Pyrenees, les Pyrénées, le Massif Central, and there's a bunch of little mountains like Montaigual from the south of France, et il y a aussi d'autres montagnes comme le Montaigual dans le sud de la France où on peut faire toutes sortes d'activités. Oui! On va s'éclater là! C'est de la balle! Je vous dis à très bientôt les amis!